Moi, ce que je pige pas, c'est qu'on mette autant de fric dans une coiffure et qu'après, on se retrouve à sec pour payer le loyer. Alors là, pardon, mais c'est avec ça que je paye mon loyer. Exactement. Figure-toi que cette coiffure et ce boutique, ça vaut largement une carte bleue platinium. Et j'ai jamais eu de refus. Ça, je veux bien le croire. Vous êtes tous là à vous plaindre qu'on se fait tisser les cheveux. Mais tous les mecs noirs présents dans le salon auraient laissé tomber Lupita dans la seconde pour Kim Kardashian. Et ça vaut même pour les autres mecs. À côté de ça, il y a quelque chose qu'il faut préciser. La coupe Lupita, c'est un truc de dingue. C'est celle que ma clientèle réclame le plus souvent. Lupita ? Personne n'a envie de se taper une gonzesse chauve dans la vraie vie. Non mais sérieux, même Kenny a acheté sa meuf pour Kim et son cul sexy. Tous les jours, on vous entend vous plaindre à propos de nos cheveux et de nos culs trafiqués. Mais toutes celles que vous matez sur le net sont exactement comme ça. Elles ont de faux cheveux et des culs refaits. Sans bec, c'est de rien. Pas de soucis, nous les beaux mecs, et à vous les restes. On n'y peut rien, si nous les hommes, on aime fantasmer. Le problème, c'est que vous attendez de notre part qu'on soit à la hauteur de ces meufs. Pour les mecs, c'est important le visuel, c'est comme ça. Et pour nous, ça l'est pas peut-être ? Pardon, mais nous, on kiffe les mecs qui ont des belles lèvres épaisses et sexy, des épaules carrées et bien musclées, un torse solide et un paf assez gros pour y accrocher un drapeau en haut du plus haut building de la ville.